Bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu hors série. Donc en fait, si je vous fais une petite vidéo sur Crash Bandicoot aujourd'hui, c'est parce que j'ai dépassé les 200 vidéos sur ma chaîne et les 6 mois aussi de vie de ma chaîne. Et donc j'aimerais savoir un petit peu votre ressenti sur la chaîne, ce que vous voulez voir, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Aussi, n'hésitez pas, c'est aussi l'occasion de vous proposer une petite foire aux questions. Donc, je répondrai à toutes vos questions. Donc, vous pouvez les inscrire dans les commentaires en dessous et je répondrai à toutes vos questions. Et donc, voilà, comme j'aime bien ce petit Crash Bandicoot, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une. Mince. Que c'était l'occasion de faire une petite vidéo dessus pour changer un petit peu des autres let's play que je peux faire en ce moment. Sachant que le let's play sur Zelda va se finir dans 2 semaines et demie à peu près. Et ceux sur Breath of Fire 3 et 4 et 5, il leur reste encore pas mal d'épisodes. Enfin, il nous reste encore pas mal d'épisodes dessus. Donc ces deux let's play là vont continuer. Le let's play de Zelda va bientôt se terminer, comme je vous l'ai dit. Donc une fois qu'il sera terminé, il sera probablement pas remplacé tout de suite. Je vais essayer de me concentrer sur les let's play de Breath of Fire. Et c'est surtout comme je vous l'ai dit par rapport au manga, j'ai un peu moins de temps en ce moment, donc. Je vais peut-être réduire un petit peu le rythme des vidéos qui est actuellement d'une par jour en général. Pour me concentrer donc sur les let's play des deux Breath of Fire qui vont rester toujours à 2 épisodes chacun par semaine. Et toujours le let's play sur ISS Pro Evolution 2 qui arrive bientôt du moins au terme de la première saison. Enfin, de la première saison, première division. Et si je suis champion sur cette saison, j'arrêterai le let's play. Même si je suis pas champion, je sais pas si je continuerai parce que c'est un let's play qui prend énormément de temps. Donc voilà pour ce petit niveau de Crash Bandicoot. C'était donc ouais, pour une. Pour vraiment savoir un petit peu ce que vous attendez sur ma chaîne, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, pour une petite foire aux questions. Et j'attends vos retours avec impatience. Donc c'était une petite vidéo comme ça, histoire de faire un gameplay derrière derrière la voix. Donc j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions et on se retrouve très bientôt pour les réponses à vos questions et avoir des retours par rapport à ce que vous me dites. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. À bientôt, ciao!